Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 31 de The Evil Within 2. Et à Skip, on est parti pour le boss de fin. On casse la porte du bureau. Et du coup, vu que c'est plutôt le boss de fin, tu sais ce qu'on va faire? On va aller mettre nos derniers points. Le 31ème et le dernier comme dans un mois. Et oui, et ça c'est beau. Du coup, vu que le pistolet il est overcheat, tu sais ce qu'on va faire? On va améliorer le chargeur. On gaspille un peu nos points parce que tu vois, on est des cons. Voilà, et on va bombarder avec le pistolet. Ça va être quelque chose d'exceptionnel. Ouais, on va sauvegarder comme ça, on n'a pas à refaire. Vu que je vais sûrement mourir. Hop. Yo Dark. C'est par là la fin parce que... Ouais c'est bon, c'est par là. Sur 24. Oui, je me satisfais de peu. Je suis un homme simple. J'aurais au moins fait un truc à 100% dans ce jeu. C'est beau. Attends, hop. Allez, on y va doucement. C'est émouvant et tout. T'as des fracasses. Est-ce que c'est bien toi? Oh. Sébastien. Oh là. Pourquoi est-ce que tu t'opposes à moi, Mira? Tu ne peux pas comprendre. Ceci est notre nouvelle maison. Pour aller chercher le pain, ça va être compliqué. Hein. Ici. Heureuse. Loin de toute peur. Loin de la douleur. Non, Mira. Ce n'est pas la réalité. La douleur fait partie de la vie. Tout comme l'amour. Si elle reste ici, elle ne connaîtra pas la peur, c'est vrai. Mais c'est parce qu'elle ne vivra rien du tout. Tu ne comprends pas. Ils lui ont fait de telles choses. Moi, je peux la protéger. Non. Je t'en supplie, laisse-moi la sortir d'ici. Faisons-le ensemble. Nous pouvons encore former une famille. Je ne laisserai plus personne me l'enlever. Non. Mira, écoute-moi. Nous avons encore le temps. Nous pouvons partir. Je ne laisserai pas Lily ici. J'aurai la garde. Je t'en prie. Tous ceux qui essaieront devront mourir. Arrête, il ne m'oblige pas à faire ça.
Oh là. Oh merde. Oh putain. Sexy. Mon Dieu. Oh bordel. C'est quoi ce truc là? Tu m'as fait du mal. Tu lui feras du mal aussi. Ah d'accord. Je t'en empêcherai. Ça ira, arrête. C'est ce que t'es en train de faire. N'oblige pas à faire ça. Ah mais bordel. Tu as échoué sur tous les plans. Désolé, je coupe un peu l'ambiance. N'arrête pas de la voir à tes côtés. J'avais pas vu. Tu ne peux pas m'arrêter. Je t'en supplie, Mira. Je sais que tu peux pas. Tu dois arrêter ça. Laisse-moi tranquille, deux secondes. Hop, merci. Il me fait vachement penser au boss de RE7 quand même, hein, ce boss-là. Je dois protéger Mimi. Elle était buggée là ou... Oh merde. Tu ne peux pas m'échapper. Ouais mais comment tu veux que je vise? Ok, ok, garde-la. Oh les... Ouais, what? Je dois les buter ces trucs-là? Non. Je crois pas. Non mais au bout d'un moment j'ai plus d'endurance là. Oh merde. Je
Ah la pute, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Il a plus d'endu. C'est compliqué. Est-ce que j'ai le temps de viser, genre? Non, je ne pardonnerai jamais. Non. J'ai arrêté d'être vulgaire. Je l'ai éclaté. Elle est dead là? On dirait pas trop hein. Il y a toujours les boobs les gars, c'est bon. Y a plus. On dirait de la glace. Ou autre chose. Mais vu que c'est japonais, je pense que c'est autre chose. Bref. Ah mais t'as des coupures mais pas ça dans tes mains. Il va nager là. Elle est dead là. J'ai l'esprit mal placé. Mira, je t'en prie. Je suis désolé. Je ne voulais pas. Non. Je n'arrivais plus à me contrôler. Tu as fait ce qu'il fallait. Elle va mourir. Soulagé que tu sois vivant. Tu dois le faire. Emmène Lily. Emmène-la loin d'ici. Je nous emmène tous loin d'ici. Allez. C'est trop loin. Laisse-moi ici. Il faut... Occupe-toi de Lily. Laisse-moi.
moi. Non, je ne te quitterai plus jamais. Pourtant, tu le dois. C'est devenu le noyau. Vas-y. Je vous rejoins. Pire mensonge ever. On se retrouve là-bas. Lily, elle a besoin de toi. S'il te plaît, fais vite. Que je rejoigne la maison. Chapitre 17. J'ai même pas vu passer le chapitre 16. On la voit ? Ah, je peux pas prendre d'armes. Mais ouais, elle était là-bas encore. J'y suis presque. Quoi, votre délire là. J'espère que tu es en vie. Kidman. Oh putain. Il y a ça sur tous leurs écrans, les mecs ils sont posés genre ouais, pas de problème, ça gère, écoute, on va au café. Nous avons rétabli le contact, monsieur. Où est-il? Impossible d'avoir une localisation exacte. Attendez, le noyau est de nouveau visible. Le marqueur s'approche d'elle. C'est moi le marqueur, j'imagine. Indiquez au marqueur comment rétablir le noyau. Ou pas. Je déteste annoncer une mauvaise nouvelle, monsieur, mais il est trop tard. L'environnement a subi trop de dégâts. Même avec le noyau rétabli, la destruction totale du Nyon est imminente. Qu'il en soit ainsi. Il nous reste le stem, nous pouvons tout recommencer. Mais nous avons besoin du noyau. Elle est trop précieuse pour tout abandonner. Que l'équipe médicale se prépare pour son extraction. Combien de temps faut-il? Tout dépend de sa rapidité à atteindre le point d'extraction. Ils sont quasi prêts, ça ne devrait plus être long. Équipe médicale en place et en attente. Une fois l'extraction effectuée, que l'équipe médicale élimine le marqueur. Oh les bâtards. Et remplit son objectif. Oui, monsieur. Merde. Kid, appelez votre homme et donnez-lui les instructions. Bon, je crois que le moment est venu. Kid, vous m'avez entendu? Oui, j'ai entendu. Elle va lui mettre tellement l'envers. De l'insubordination. Vous ne pouvez pas le tuer. Mais si, je peux, et je vais le faire. Une fois revenu dans notre monde, il sera pour nous un handicap. Allez, appelez-le. J'en sais trop. Et donnez-lui le point d'extraction. C'était allons, sûr. Kid. Il a signé son arrêt de mort au moment même où il est entré dans le stem. C'est quoi ces mouvements? Alors, obéissez aux ordres ou vous signerez le vôtre. Non. Cette tentative de trahison est regrettable. Vous étiez si prometteuse. Merde. Ah, ils savent pas viser, hein. Bah même Kumiko, charcutor, elle bougeait tout le temps sa tête comme ça. Oh merde! J'ai 6 balles, frère! Ah d'accord, je sais pas viser. J'ai pas d'autres armes. Ah si, c'est bon, j'ai des balles.
Je sais pas viser. Toujours pas, hein. Mais vas-y, meurs toi, non? Culé. Headshot. Je peux bouger? Chope leur mitraillette! Ok. Putain, ils ont cassé mon action! Elle est sûrement dans sa chambre à l'étage. Ah, mais on sait où c'est la chambre, on y allait 25 fois dans ta maison. Pas mal la petite musique d'ambiance. Vite, Lulu! Putain, tu viens, brrr, tu défonces la porte, la petite elle est. Ah Ellie, oui, effectivement, Lily dort. Tout va bien. Lily. Ma toute petite fille. Papa? C'est moi, Lily. Je suis là. C'est vraiment toi? Chut. C'est bien moi. Je vais te ramener à la maison. C'est pas ici, la maison. Non, ma chérie. Mais nous y serons bientôt. Je suis fatiguée. Rendors-toi. À ton réveil, tout ira mieux. Prends Doudou, elle va t'en vouloir toute son enfance. Oh, mauvais père. Mira. Je l'ai trouvé. Viens, quittons cet enfer. Pardon, Sébastien. Je ne peux pas. Bien sûr que tu peux. Je vous porterai toutes les deux s'il le faut. Non. Mais je... Mobius doit être arrêté. Rien à foutre de Mobius. Nous avons déjà perdu trop de temps. Nous pouvons partir tous les trois. Nous irons quelque part où ils ne nous trouveront jamais. Il n'y a nulle part où aller. Ils sont partout. Lily sera toujours en danger. Sauf si je les détruis. Très bien, je t'attends. Dès que Mobius sera éliminé. Ça ne marche pas comme ça, Sébastien. On ne peut le faire que de l'intérieur. Le STEM ne se limite pas à cette ville. Tout Mobius y est connecté grâce à des implants crâniens. Dès que j'aurai pris le pouvoir du noyau, je transmettrai un signal grâce auquel tout s'écroulera comme une ionne. Un signal capable de réduire une fois pour toutes Mobius à néant. Mais nous sommes enfin réunis. Il n'y a pas d'autre choix. C'est le plan depuis le début, il n'en a jamais été autrement. Mira. Chut. Juste, promets-moi de prendre soin de notre petite. Qu'elle n'oublie jamais combien sa mère l'aimait. Tu sais, j'ai encore tant de choses à te dire. Pas besoin de le dire. Je ne t'ai jamais quitté des yeux tout ce temps. Je sais combien tu as souffert, je sais ce qu'ils t'ont fait. Ce que moi, je t'ai fait. Tu n'as rien demandé de tout cela. Et tu as vécu l'enfer à deux reprises à cause de ça. Il est temps pour toi de partir. Pour vivre. La vie qui t'a été volée. T'aimes, Mira. Moi aussi, je t'aime. Je vous aime tous les deux. C'est pour vous que je fais tout ça. Mais le temps presse. Vous devez partir, tout de suite.
nous chercher, connard. Wow. Ils savent vraiment pas viser. Attention, urgence Alpha 1. Attention, attention, urgence. Moi non plus. Ça y est, on l'a bloqué. Pas de quartier. On facilite pas la tâche. Lui, il a pris ce qu'il mérite. Putain, j'ai cru que j'étais mort. Je dois rejoindre la salle du STEM. Il suffit que j'aille. Mais donne ! Tout le personnel de sécurité est rapport en salle du STEM. Tenez bon, c'est où le STEM ? Je connais pas. En tout cas, on apprécie les graphismes. J'y suis presque. Tout le personnel de sécurité est rapport en salle du STEM. Et non, je connais pas. J'espère que ça va marcher, Mira. Oh ! Oh, les médecins ! En même temps, ils allaient exécuter... Sébastien. Cette salope. Qu'allez-vous faire, Kidman ? Vous ne provoquerez rien d'autre que votre mort. Vous devez bien le savoir. Vous aviez du potentiel. Vous auriez pu accumuler un tel pouvoir. Et vous choisissez maintenant de tout lâcher. Pourquoi ? Après tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez fait, pourquoi cette crise de conscience soudaine ? C'est pour l'inspecteur. Pour la gamine. Non. C'est pour moi. Réfléchissez bien, Kid. L'humanité a besoin du STEM imaginé. Une conscience unifiée pour toute l'humanité. C'est la merde. La fin des conflits. La fin des disparités. La fin de la douleur. J'espère que t'avais raison, Mira. Cette transition capillaire... Mal. Je l'ai. Où est-ce que je dois aller maintenant ? Dans votre salle. D'accord. Mais Mira va rester ici. Vous savez pourquoi ? Ok. Nous avons peu de temps. Je compte sur vous, Kidman. Let's go. J'ai pas que ça mes armes. Ne t'inquiète pas, Lily. On y est presque. C'est là qu'on glisse. Brah ! On l'éclate, la gamine. Oh non. Heureusement qu'il y avait un mur invisible. Sinon j'étais mort. On sera bientôt à la maison. Accroche-toi. Il n'est pas trop tard pour tout arrêter, Kidman. Coopérer. Et je vous promets une mort. Oh bah merci, je vais faire ça alors. Sinon, la punition pour votre trahison sera légendaire. Je suis sûr qu'on se souviendra de moi. Mais ce sera pour vous avoir anéanti.
Personne ne rêve d'un monde dénué de choix. Une ruche mentale ne fonctionne que si une reine est aux commandes. Rejoignez-nous ou mourrez, vous savez quoi? Il y a une autre option. Et c'est d'aller vous faire mettre. Vous êtes stupide! Mais je vous admire. Quel dommage de vous perdre en de telles conditions, Kid. Quoi? Vous pensiez vraiment que je n'avais pas prévu ça? J'ai retiré ma puce il y a 3 jours. Peu importe. Vous mourrez aujourd'hui. D'une manière ou d'une autre. Allez, Sébastien. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Allez, y Backflip, backflip. Traction. Blackout. Du calme, Sébastien. Vous êtes en sécurité. Lily. Où est Lily? J'ai besoin de votre aide pour la sortir de là. Mettez-vous là. Eh, ça fait 2 semaines qu'il s'est pas levé, tu sais. Ça doit être chaud. Hein.
C'est bien toi. Oui, ma chérie. C'est bien moi. J'ai fait un cauchemar. Chut. Je sais. Mais c'est fini. Le cauchemar est fini. Tu n'as plus rien à craindre. C'est vraiment fini. Je ne suis pas à l'intérieur, en train de rêver tout ça. C'est réellement terminé. Grâce à Mira. C'est ta nouvelle maman. Allez, quittons cet endroit. C'est tellement ça en plus. C'est la fin. Bon, on va pas regarder tout le... Est-ce qu'il y a des trucs ou alors c'est juste les noms, t'sais. Est-ce qu'il y a des images, des vidéos ou autre à la fin? Ou alors c'est juste de la musique? Dis-moi, charcuteur, s'il te plaît, comme ça je sais si je regarde jusqu'à la fin ou pas. Zap. Très bien, très bien. Ah bah il y avait un truc à la fin. Mais c'est trop ça, j'avais raison, oh là là. Il l'a pécho et tout. Temps total 19h51, donc pas mal franchement. L'option nouvelle partie plus est désormais disponible depuis le menu principal. Commencez une nouvelle partie avec certains éléments de vos parties précédentes. Vous avez déverrouillé le mode de difficulté classique. Toi qui entres ici, abandonne toute espérance. Vous pouvez choisir le mode classique depuis le menu nouvelle partie. Vous avez reçu 40 000 unités de gel vert, vous pourrez les utiliser à partir du chapitre 3 de Nouvelle Partie Plus. Vous avez déverrouillé la tenue du professionnel, c'était mieux avant. Vous pouvez changer la tenue, machin. La tenue vagabond. Right. Elle est stylée celle-là. Vous avez obtenu le magnum, juste histoire de se trimballer avec un canon de poche. Il est pas beau ? Il est moche. Vous avez... Ah. Ah. Ça, c'est ce qu'il y avait dans le 1 et qui était absolument dégueulasse. Jamais de la vie.
Ok, qu'est-ce que je fais? Je sauvegarde? Qu'est-ce que je fais? C'est bon? Ouais, c'est bon. Il se passe un truc ou c'est réellement fini? Ok, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Et du coup, ce sera ma sœur, je pense, qui fera la nouvelle partie plus, mais en difficulté ultra facile. Donc voilà, terminé pour ce let's play. Franchement, j'ai kiffé le jeu, à part 2-3 trucs qui m'ont un petit peu énervé, mais... dans l'ensemble, c'est un excellent jeu, bien mieux que le 1, je trouve. Après, il y en a certains qui préfèrent le 1, moi je préfère largement le 2. Il est ouf. Donc voilà, on se retrouvera dans de prochains let's play de l'horreur. Je l'espère très prochainement, parce que je suis pas du tout au courant des sorties qu'il va y avoir. Dans tous les cas, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut.